Eh bien, Mesdames et bonjour messieurs, à bienvenue. tous et bienvenue Aujourd'hui, pour le cette parcours d'écoute est nouvelle étape favorable de à la l'exploitation du Vuelta vélo sur piéton. 2024 et Attention on toutefois, est dans on les vous derniers jours, propose de là passer à clairement. l'approche du final. Mais Si cette l'effort fois-ci, pas de fournit maillot pour rouge. rattraper les parcours de On va pas groupe tenter de est le trop défendre. C'est important une à ce étape de plat, moment. une étape Pour de ce faire, transition. certains Donc on va sprinteurs faire en pourraient sorte se bien évidemment retrouver de recrutés jouer avec et un nous autre et pousser pourquoi pas encore essayer d'aller plus chercher loin au sur le minimum final. un top 10. 15 km tout pile de l'arrivée de cette étape. Mais on n'a pas vraiment été inquiétés, hein, clairement. Il y a effectivement eu une échappée partie dès les kilomètres zéro, rapidement rattrapée bien évidemment. Et là maintenant, les équipes de sprinteurs se mettent au travail. C'est sans doute une des dernières explications pour les sprinteurs. Après, ce sera que de la haute montagne ou alors le dernier contre-la-montre à Madrid. Mais sinon, c'est bel et bien la fin pour les sprinteurs. On sait notamment IRL que Wout Van Aert a abandonné. Un abandon lié à une grosse chute. Apparemment, lui, porteur du maillot de la montagne et porteur du maillot vert, a donc dû abandonner. Espérons qu'il soit quand même remis pour les championnats du monde. Mais j'ai quand même un gros doute, hein. Championnats du monde qui auront lieu à la fin du mois. Qu'on pourra suivre en intégralité, bien évidemment. Et à partir de samedi, il y aura tout simplement le Tour de France 2015 qui va démarrer. Il reste 10 km. La victoire va donc se décider à l'issue d'un sprint massif. À partir de samedi prochain, exactement. Prenez note. Aux alentours du 15 septembre. Un petit peu moins. Mais voilà, le Tour de France 2015 qui prendra sa place dans la playlist. Après avoir fait le Tour 2014 avec Vincenzo Nibali, il est temps de faire place à Christopher Froome. Mais en attendant, on va terminer cette Vuelta. Est-ce qu'on serait capable, comme Allez, l'année on dernière, se on l'a concentre fait sur le sprint, les gars. avec Sepp Kuss notamment, d'aller chercher le maillot rouge? Est-ce qu'on en est capable? On rappelle bien évidemment, hein, notre palmarès. On a remporté le Giro, on a échoué à remporter le Tour de France, remporté par notamment Tadej Pogacar. On a perdu avec Allez, plus que Jonas 5 km Vingegaard. pour le peloton. Le sprint est en train de se préparer. Et là, on est en train de taper un grand coup sur cette Vuelta avec un Espagnol, lui, qui a toujours été maudit par les podiums, souvent deuxième, souvent troisième. Le poulie d'or espagnol, Enric Mas, est en train pour le moment de remporter sa Vuelta si convoitée Moins depuis de tant 3 km d'années, pour le peloton. à un peu moins d'une semaine de la fin de ce Tour d'Espagne. On se retrouvera bien évidemment pour du Tour de France 2015, 2016, 2017. On fera Accélère. également d'autres tours présents, histoire de continuer, même si la fin de la saison est proche. Là maintenant, Et voici le la flamme dernier rouge pour kilomètre. l'échapper. Guernalec qui a tenté de faire le dernier kilomètre. Ah, on va sans doute être un petit peu court. Victoire. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Agen Pau. Bravo à lui. Il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot rouge de cette épreuve. Enric Mas. Espérons que pour lui la suite se passe aussi bien, mais pour l'instant, il peut savourer. Il joue les tout premiers rôles cette année. Voici le maillot vert de cette épreuve. C'est un moment qu'il ne devrait pas oublier et qui marque sa carrière. Allez, on l'applaudit encore. Il est en tête du classement et il va recevoir les honneurs du protocole.
des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Il est dans une forme étincelante et vous pouvez l'applaudir bien fort. Voici le maillot blanc de cette épreuve. Carlos Rodriguez! Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et bien voilà, au classement de cette étape, Strong s'impose devant Van Aert, Groves, Canal, Navarez, Gaudu, Aberasturi, Bittner, Cocard et Costa au classement général. Pas de changement. Mass a toujours 4-17 d'avance sur Roglic, 8-38 sur Almeida, 10-21 sur Rodriguez, 10-29 sur Kuss, 12-42 sur Carapaz, 17-36 sur Gall, 17-57 sur Tibéri, 19-41 sur Landa, 21-02 sur Yates. Au classement de la montagne, 77 points pour Izaguirre, 75 pour Mass, 67 pour Dunbar. Au niveau du classement du maillot vert, 237 points pour Van Aert, 212 pour Strong, 175 pour Mass. Au niveau du classement du maillot blanc, Rodriguez a 7-36 d'avance sur Tibéri et 28-17 sur Skelmos. Au niveau du classement par équipe, la UAE Team Emirates a 13-47 d'avance sur la Red Bull Borans-Groh et 13-53 sur la Movistar. Au niveau du prix de la combativité, Castrillo a 846 km au compteur devant Bou, 777 et Dunbar 749. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. Pour ma part, je vous retrouve dès demain pour l'étape numéro 18 de cette Vuelta 2024. Sur ce, prenez soin de vous, c'était Ace. Je vous fais des bisous. Peace.